Cette confusion, vous y avez peut-être aussi, malgré vous, contribué en décembre, quand le matin, vous expliquez à propos d'une primaire. Une union qui serait perçue comme artificielle ne fonctionnerait pas. Puis le soir même sur TF1. Il faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par nos concitoyens. Pour finalement dire à propos de la primaire populaire... Maintenant, pour moi, la page est tournée. Reconnaissez qu'on a de quoi se dire qu'à gauche... Alors, notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Et puis, de toute façon, cette présidentielle, avant même d'y aller, vous la sentiez pas, ici même, sur RTL, en pleine campagne municipale, vous annonciez... J'ai vraiment envie d'être là sur toute la durée du mandat. Et je le redis ici, je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle de 2022 et même au-delà. Et puis, c'était sûr de chez sûr. Hein. Non, surtout pas. Vous pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. Pas si clair, du coup. Alors, vous pouvez bien répéter à longueur d'interview que... Je vais vous le dire très clairement, les sondages, je m'en fiche. On repense à cet entretien que vous aviez donné à Télé Loisirs en septembre 2019 à propos de l'Élysée. Je n'ai pas envie de cette vie-là, voilà. Non, non, présidente de la République, ça fait pas partie de mes rêves de petite fille, donc non. Et on se dit que pour supporter un tel chemin de croix, alors que ça ne vous fait même pas rêver, faut effectivement beaucoup, beaucoup de courage. On découvre Paris, je découvre Paris aussi avec le taxi, donc merci à toutes et tous. C'est dur en ce moment, il y a des travaux, c'est vrai, mais Paris va être encore plus belle. Et moins il y aura de voitures particulières, plus les gens prendront le taxi, donc on est ensemble. Ça, l'image de la France est dégradée. Comptez-vous faire pareil pour notre pays? Écoutez, voilà, je pense que Paris est une ville exceptionnelle qui est regardée dans le monde entier comme une grande réussite. C'est une ville qui aujourd'hui figure parmi les villes les plus attractives au monde, et notamment parce que je me suis beaucoup engagée dans les transformations de notre ville, à la fois transformation écologique. Je me suis beaucoup engagée pour faire en sorte que l'accord de Paris ne soit pas simplement une signature, mais que ça se traduise dans la façon dont notre ville évolue. Donc oui, je compte faire la même chose pour notre pays, que notre pays soit un grand pays respecté, admiré dans le monde entier. Vous aviez promis lors de votre élection à Paris au municipal que vous n'aviez pas d'ambition nationale, et maintenant vous êtes candidate à la présidence de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas une trahison envers les électeurs parisiens? Merci. Je pense qu'il s'est passé la même chose qu'il s'est sans doute passé pour Valérie Pécresse, qui affirmait aussi qu'elle ne serait pas candidate à l'élection présidentielle. Vous auriez pu vous mettre je sais pas si l'expression n'est pas élégante, mais suspendre votre mandat de maire, par exemple, pendant cette période de campagne. Comme les autres élus, comme Valérie Pécresse aurait pu suspendre son mandat de présidente. Mais c'est à vous que je pose la question. Oui, ben moi je vous réponds que pour l'instant et aujourd'hui, non, je n'ai pas décidé de le suspendre parce que justement, je veux aussi répondre à cette promesse que j'ai faite de veiller à la vie de ma ville et veiller à cela.